bienvenue dans ce nouvel épisode. On n'a pas vlogué depuis combien de temps on n'a pas vlogué? J'avais filmé un autre vlog l'année dernière avec Rémi Mancarelli à Lyon, tout de suite un extrait. Et ça n'a jamais été monté parce que j'ai jamais pris le temps de le faire. Mais peut-être qu'un jour, il sortira, voilà. C'est parti pour le premier jour du training camp avec Nico, ici présent alias Harry Cover. Salut tout le monde. Au top, donc je l'ai mis un peu au boulot parce que il y a une ligne à tendre. Il est venu samedi matin pour être sur mon spot, à dire. T'es content Nico? Oh bah écoute, trop plaisir d'être là. Du coup le spot là, on vient d'arriver, on commence la mise en tension, derrière on enlève la bâche et puis c'est parti pour du petit rail tranquillou. Propre. Ça, là, mon ouverture elle est presque trop tard. Ouais. Là j'ai la hauteur normalement sur face. Bah oui, large. Ah j'étais à côté, j'étais paumé. Je suis des axes. Je suis trop bien. Donc là Nico a envie de bosser les 5-4. On va lui faire décomposer le mouvement sur du 360 et du 180 enchaîné pour se fixer les petits repères visuels. Moi le problème c'est que j'arrive plus en long en coréenne, que j'arrive pas à passer la jambe au-dessus de la ligne, c'est super chiant. Il faut vraiment plus de hauteur. Ouais là je l'ai. Tu vois, c'est pas la même hein. Voilà. Bah t'es nickel hein. Allez là. Je veux que le bosser tout seul chez soi, tu vois. Allez là. Oh. Belle roulade. Rattrapage 10 sur 10. Bon bah Nico, c'est le début d'après-midi, c'est l'heure de faire quoi? La baignade, on va étendre la sangle. Il va aller faire son petit plouf, après avoir bien mangé, comme un gros sac. J'espère que je vais pas couler. Oh si tu coules, je te remonte. C'est pour ça que je suis attaché, comme ça si je peux. Donc là il va descendre tranquillement là-bas, il va emmener la sangle jusqu'en face. On va trouver un petit timbre qui nous permet de tendre par là-bas. Je vais aller me mettre sur mon arbre perché, tout là-bas, pour mettre le... Deuxième point avec le mouflage. Et on va tendre une belle waterline. Même avec la corde, c'est un peu casse-gueule sur moi. Ça va. Ça va? Et bah. T'as la vista. Ça y est. T'as de la bonne nage. Hein. On se retrouve en face. Tire à gauche. Non, c'est le moment qui va être un peu plus long. Allez, t'es presque. T'es rendu. Donc là, il est en face. Il va falloir qu'il trouve un arbre. Ouais, je sais pas trop, trouve un truc assez costaud qui a l'air à peu près à la même hauteur. La végétation est haute. Ouais. Allez, bah, je peux te garantir qu'on va la mériter celle-là. T'as peut-être des arbres sur ta droite, mais je sais pas s'ils sont en bonne santé. Donc là on a fait passer la sangle de bout en bout. Elle ressort un peu de l'eau. Nico est par là en face. Donc il est en train de l'attacher de son côté. Prêt ? Partez ! Shields is tightening up as well. Phelps is gonna win it.
Ça, c'est de la bonne truite. Et voilà le fameux cri de guerre. On est au spot de Nathan Jacquemont, alias le génie de la slackline. C'est pas Todd Jumper aussi? C'est tellement un surdoué dans le domaine qu'il a tous les noms qui lui succèdent. Il leur est arrivé par là, s'il ne traîne pas trop. Bonjour Nathan! Dis bonjour à la caméra. Je sais pas, t'as dit que t'avais du matos à sortir. On a tout amené, il manque plus que les chaises. Bienvenue au spot. Ah, tu fais une vidéo là? Ouais. Coup, enchanté! C'est ma grande reprise. T'es content d'être heureux? Regardez-moi ce dos! Je sais pas vous, mais moi il me fait bander. Beaucoup de blabla, ça fait des petites sessions. Hein. C'est le boss de la maison. Ça filme, ça filme pas. C'est bien là. Sûr que ça filme, mec, t'es là, mec. Et là, il y a l'ancêtre. On dirait qu'il se pointe au camping. Il va bientôt sortir sa tente. Planter ses sardines. Le T-Rex est parmi nous. Le papy. Là, il est bien installé, le papy. Hein? Faut qu'elle soit bien longue et du coup il faut savoir pousser dessus pour avoir toutes les priorités de la semaine. Allez, allez Nathan. C'est long en fait. La petite session de nocturne. Voilà, donc du coup c'était un aperçu de cette session de nuit. C'est la première fois qu'on fait ça. Allez, bisous. Bonjour messieurs. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Quentin Sage et de Nico alias Haricot Vert sur les réseaux sociaux. On revient de blessure, les ligaments croisés, tu connais. Vous êtes chaud pour cette journée? Non. Alors aujourd'hui, la mission de Quentin Sage est simple. Il a pour devoir de ne jamais tomber de la ligne. À chaque chute, il devra faire 10 burpees. Vraiment un enfoiré. Hein. Bien progressé aussi, maintenant il arrive bien. Wow! 10 burpees! 9 et 10! L'infini! Ouais! Ouais. Yes! C'est bon, les gars! Content! First time! Hein. Je pouvais pas venir une fois ici, tu vois, sur un autre ici. Yes, merci les gars! Nice, c'est lourd! C'est comment un free fall, tu dis? Comme ça, regarde! Donc là, ça part sur le retour du frog flip de Nico, qu'il n'a pas fait depuis 2-3 ans, apparemment. Ouais, on voit bien, tu redresses et tu montes avant de tourner. Ça paraît hyper facile quand tu fais. Allez machine. Allez. Magnifique. Ah, les sensations, c'est trop cool. Trop bien. Machine. J'ai rien compris ce qui s'est passé, genre j'ai dressé, j'ai groupé, j'ai attendu, il faudra que ça tourne. C'est merci tapis hein, parce que sinon je pense que je serais un peu. Voilà. Ouh. Allez. Ça va. Putain, faire tout seul là, c'est une autre grosse étape, je suis trop content. Trop
Trop simple. Allez, 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 allez. Un peu tôt là, tu vois. Ouais. Et là, tu viens pousser et vraiment faut que t'aies l'autre épaule qui souffle derrière. Ouais, c'est bien là. Tiens, je veux que tu me filmes en slow-mo s'il te plaît. Ah ouais. Et toi, tu veux que je te... Here we go!